vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel. Oui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que on n'arrête pas de toujours me demander mes combos de cheveux blonds. Bon, il y en a un qui m'a été donné par Audrey Mogg, donc je vais vous le montrer. Comme ça, quand vous allez le chercher, ça va être dans une vidéo. Bon, je sais pas si c'est exactement le combo qu'elle m'avait donné Audrey, parce que je l'ai un peu modifié au courant des fois que je l'ai utilisé. Donc, si Audrey passe par là, peut-être qu'elle en aura un autre à vous donner. Mais bon, je vais vous donner celui que j'utilise le plus souvent. Donc, on va faire deux sortes de blonds aujourd'hui et on va faire ça dans le Amandine Jung Cendrillon, parce que, bon, vous savez que ce mois-ci, je fais le défi de faire que du Disney. Et, ben, Cendrillon, hein, c'est Disney. Donc, on va faire les petites poupées ici devant. Il y a la maman et la petite fille. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire la petite poupée avec le combo de Audrey, qui va être les cheveux blonds pâles. Et ensuite, on va faire la maman avec les cheveux... un autre sorte de blond qui était un combo que j'utilisais tout le temps avant, mais j'ai envie de faire deux blondes, mais vraiment différentes. Donc, vous aurez tout dans cette vidéo-là. Comme ça, quand vous cherchez les combos blonds, ben, je pourrais vous mettre ça, au pire, dans les commentaires ou en barre d'infos. Comme ça, ben, les gens vont arrêter de chercher. Parce que je sais que j'ai beaucoup de vidéos et que des fois, c'est pas évident de savoir dans quelle vidéo je vous ai montré. Donc, voilà. Alors, c'est parti. On va passer plein bureau. On va faire ça ensemble. On va avoir besoin de Prismacolor parce que je vais utiliser les Prismacolor pour faire le combo et aussi deux Posca. Mais de toute façon, je vous montre tout ça en faisant les tutoriels. Donc, on se retrouve avec le merveilleux livre d'Amandine. Je vous mettrai le site d'Amandine en barre d'infos si jamais vous avez envie de vous procurer son livre. Donc, on va faire celui-là et ben je vais aussi vous faire un tuto pot. Mais ça va être dans une autre vidéo parce que je veux pas trop faire de trucs dans cette vidéo-là pour que, bon, si mettons, vous voulez vraiment juste un combo pot, ben voyez, la vidéo, c'est juste combo pot. Ou vous cherchez un tuto vraiment pour les cheveux blonds, vous avez une vidéo juste pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on fera pas la peau dans cette vidéo-ci, mais vous allez revoir ce colo-là plus tard parce que je vais l'utiliser pour faire un combo pot puisque... le mois passé, on avait fait un Amandine Jung ensemble et ben ma peau ne s'était pas enregistrée. Et puis, vous avez été plusieurs en commentaire à me demander de faire la peau. Et ça aussi, ça a été en commentaire que j'ai vu que ça revenait beaucoup. Les gens me demandaient les combos pour les cheveux blonds. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas partager le combo que Audrey m'avait donné et celui que moi, je faisais tout le temps avant et que je fais des fois encore de temps en temps. Donc, on va utiliser les Prismacolor pour faire ce tutoriel-ci. Par contre, vous pouvez retrouver ces teintes-là dans d'autres crayons facilement. Moi, je le fais souvent avec les Luminances. Des fois, je le fais avec les Holbein. Mais vous allez voir, les teintes sont quand même assez faciles à retrouver. Donc, on va prendre le 70% gris français. C'est celui-là que je suis pas certaine que c'est ce qu'Audrey m'avait donné. Mais maintenant, je le fais toujours avec ça. Ensuite, on va prendre le beige rosé 1019 et le 70% gris français, c'était le 1074. Et on va prendre aussi le rose coquillage qui est le 1093 et on va avoir besoin d'un Posca beige pour contourner parce que si on contourne pas, ça donne pas vraiment l'effet du cheveu pâle. Bon, oui, ça va le donner, mais c'est encore mieux quand on contourne. Et ensuite, ben pour les cheveux, je vous donne tout de suite les combos, je vais y arriver. Comme ça, ben si vous avez pas envie de regarder le tutoriel, vous pouvez juste prendre des notes et aller l'essayer. Moi, je vais vraiment faire les cheveux avec vous. Donc, pour un cheveu un petit peu plus doré, un petit peu plus un blond, mettons, soleil. Je vais prendre, encore dans les Prismacolor, ça c'est mon combo à moi que je faisais tout le temps avant, que Audrey me donne le sien. Donc, ocre brûlé 943, verge d'or 1034, ocre jaune 942 et le crème 914. Et cette fois-ci, on va prendre le Posca jaune paille. Et là, ben comme vous pouvez voir, j'ai pris des 1M parce que ça va mieux pour contourner les cheveux. Bon, fait que là, on va les faire ensemble. Et là, ben petite parenthèse, les amis, je ne me suis pas fait tatouer. Hein, comme vous avez remarqué, là, je suis tout tatouée. C'est des faux tatous, oui. Bon, je vais juste fermer ma porte parce qu'on entend ma fille. Ça
Ouais, c'est des faux tatous que Noah, vous connaissez mon fils, hein, vous l'avez vu souvent, qui a acheté sur Amazon parce que bon, il veut se faire tatouer, puis ben il veut essayer voir ce que ça donne avant, puis là ben on s'est amusé comme des fous, moi puis Noah, même mon mari, toute la famille est tatouée. Puis on en s'en est mis partout, donc ouais, on a eu bien du plaisir, mais là on a regretté un peu parce que ça dure 2 semaines ces affaires-là. Donc vous allez me voir avec des tatous comme ça pendant 2 semaines, mais non, je n'ai pas l'intention de me faire tatouer. Par contre, la main, j'aime bien. J'aimerais peut-être me faire tatouer la main. On verra. Ça a pas rapport pantoute, mais c'est pas grave. OK, là, je me dis que je devrais peut-être vous faire un zoom. Et là, je vais appuyer sur pause, je vous fais ça et je vous reviens. OK, ça va être mieux comme ça. Hein? Je pense que vous allez voir mieux. Donc, on va commencer par la petite parce que, bon, je vais vous montrer ce que ça donne, le combo. Ça va donner un beau petit blond comme ça, un petit blond cendré. Et puis, ben comme je fais Cendrillon toujours avec ce combo-là, ben c'est pour ça que je vais faire la petite comme ça. Et la maman, on va la faire avec le blond plus doré. Bon, donc on commence avec le 70% gris français 1074 et ben là, vous avez le choix. Soit que vous faites un dégradé, vraiment, vous partez d'une extrémité à l'autre et vous en venez vers le plus pâle dans le centre, ou vous pouvez faire aussi des petites lignes. Et moi, ben je vais faire des petites lignes. Donc, avec celui-là, ben quand même, on va pareil partir d'une extrémité à l'autre. Donc, on va mettre le foncé ici à la racine et on va en mettre aussi dans le bas de chacune des mèches. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vu qu'on fait deux personnages ensemble, on fait deux sortes de blonds. Je vais vous faire l'avance rapide pour chacune des couleurs, parce que bon, je sais pas de quoi vous dire de plus. On essaie de faire des petites lignes fines, et puis même si on remplit pas tout, c'est pas grave, parce que nos prochaines couleurs vont s'intégrer dedans. Quand je veux dire on remplit pas tout, c'est que on peut laisser certaines mèches un peu... ben, mettons, vous voyez ici, là, je vais en mettre une ici. Et là, ici, j'en mettrai pas, ça va me faire une mèche un peu plus pâle qui va venir se mêler ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis pas très claire hein, dans mes explications. Donc, je vous laisse regarder pour l'application de cette couleur-là. Je vous reviens pour la prochaine. OK, donc là, un coup que j'ai terminé avec celle-là, je vais aller avec le beige rosé 1019 et on va entrer dans nos notre couleur précédente et on va continuer de faire des petites lignes. Donc là, j'espère que je vous cache pas tout avec ma main. J'essaie de tenir quand même mon mon crayon assez loin, mais c'est pas évident pour faire les petites lignes comme ça. Ça va pas super bien quand je tiens le crayon un peu trop loin. Donc j'ai tendance à tenir assez près, puis habituellement, quand je tiens mon crayon comme ça, je sais que je vous cache, désolée. Je sais. Donc, je vous laisse regarder pour cette couleur-là et je vous reviens après. Et pour terminer, ben on va remplir tout ce qui reste de blanc. On essaie de garder toujours les centres blancs de chacune des mèches. C'est ce qui va nous donner le reflet dans les cheveux. Donc, on va y aller avec le rose coquillage qui va être le 1093, toujours dans les Prismacolor. Et on va compléter les cheveux avec ça. Et après, ben on va contourner ça avec le Posca beige. Ça va être le numéro 45. Donc, je vais vous laisser regarder. Je vais pas revenir entre cette couleur-là et le Posca. Hein. On va que cacher les lignes noires avec le Posca. Donc, je vous laisse regarder et ensuite, on se retrouve pour le prochain blond.
Donc là, un coup qu'on a fini avec ça, j'avais dit que je reviendrais pas, mais c'est une habitude. On prend le pouce-cavage numéro 45 et on va effacer toutes les lignes. OK, donc voilà ce que ça donne. Vous avez le choix si vous voulez de mettre plus de lignes avec le pouce-cœur, mais moi, je vais les laisser comme ça. Donc là, on va passer à l'autre personnage avec l'autre combo, celui du cheveu un petit peu plus blond doré. Donc, on va faire le même principe. On va commencer avec le numéro 943 qui va être le ocre brûlé. Et je vais juste me déplacer un petit peu, comme ceci. Et c'était vraiment pas facile de contourner les cheveux de ce personnage-là parce qu'habituellement, quand je contourne mes cheveux, je passe mon temps à faire ça avec mon livre et là, j'essayais de pas le faire, c'était pas évident. Peut-être que je vais le faire avec elle, hein, parce que les cheveux qui partent un petit peu plus dans tous les côtés, là, je risque d'avoir de la difficulté à les contourner. Bon, donc avec mon hoc brûlé, ben même chose, je vais faire des petites lignes. Et là, bon, on a quatre couleurs, hein, on en a plus que dans l'autre combo. Donc, faut pas aller trop loin non plus avec nos crayons pour pouvoir avoir justement un centre dans la mèche qui va être un peu plus pâle et qui va nous donner ben, notre petit reflet dans les cheveux. Donc, je vais faire les deux extrémités de chacune des mèches et en faisant des petites pointes, en essayant de les faire le plus fin possible. Et si vous avez des espaces entre vos lignes que vous faites avec votre crayon, c'est pas grave, c'est ça qui va faire joli parce que les couleurs vont se mélanger entre elles. Donc, je vous laisse regarder, je vous reviens pour la prochaine couleur. OK, donc là, on va passer au verge d'or, qui va être le 1034. On va faire la même chose qu'on a fait dans les autres cheveux. On va venir à chacune des extrémités, passer par-dessus notre couleur et avancer un petit peu plus dans la mèche, mais on se garde de l'espace pour pouvoir intégrer les prochaines couleurs. Donc, je vous laisse regarder.
Ensuite, on va ajouter le ocre jaune qui va être le 942. Et bien, même chose, hein, on va continuer de rajouter des teintes dans nos cheveux et on se garde la place pour pouvoir venir ajouter le crème à la fin. Donc, je vous laisse encore une fois en musique. Et là, ben, on complète avec le crème. Même chose qu'on a fait l'autre côté. On va tout remplir. On peut passer par-dessus les autres teintes. Ça va atténuer un petit peu aussi. Et ensuite, ben là, c'est vrai que je reviendrai pas avant d'avoir fini de contourner. On va utiliser le Posca jaune paille, qui est le numéro 73. Et on va faire un peu comme on a fait sur l'autre côté. Cacher toutes les lignes noires, rajouter quelques petites lignes au travers. Donc, je vous reviens un coup que c'est terminé. Donc voilà les amis, c'est terminé pour les deux combos de cheveux blonds. Je vais juste me reculer pour voir si vous les voyez toutes. Oui, ben voilà, ça donne ça. Donc vous avez un combo un petit peu plus doré et un combo un peu plus cendré qui est le combo de Audrey Mogg. Hein. J'ai aucun mérite pour ce combo-là. Donc vous allez la remercier si jamais vous avez aimé. En tout cas, moi, j'arrête pas de lui dire merci parce que j'adore ce combo-là. Depuis qu'elle me l'a donné, je l'utilise pratiquement tout le temps. Et avant, ben, je faisais tout le temps celui-là. Donc, à vous de choisir lequel vous voulez prendre. Ou si, ben, justement, vous avez deux blondes à faire, vous voulez pas avoir le même blond dans la même image. Donc, ça peut être intéressant d'avoir deux combos. Et comme je vous dis, ben, si vous avez pas les Prismacolor, vous pouvez facilement retrouver ces teintes-là dans d'autres crayons. Donc voilà, alors là, ben c'est fait, vous avez la vidéo, comme ça vous allez arrêter de chercher parce que bon, on me dit toujours « Ah Zazou, je trouve pas dans toutes les vidéos que t'as ». Donc, ben ça va être dans cette vidéo-là. Ensuite, je vais vous retrouver dans une autre vidéo puisque, ben comme je vous ai dit, je vais vous faire une peau et ça va être aux luminances cette fois-ci parce que je fais souvent mes peaux aux luminances maintenant. Donc on va faire probablement la maman ensemble. Dans une autre vidéo que je vais tourner tout de suite après celle-là. Donc, ben, ça, si c'est pas sorti sur la chaîne, ça va sortir, ça va suivre cette vidéo aussi.
Donc, j'espère que ce petit tuto cheveux blonds vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage sur Facebook. Tous les liens sont en barre d'infos, ainsi que sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo!